C'est pour moi une occasion très très pertinente d'être aujourd'hui parmi mes collègues pays membres de notre organisation qui est la FAO, étant donné qu'aujourd'hui le problème est commun dans tout le monde entier, qui est la crise alimentaire. Donc aujourd'hui, avec les synergies renforcées de la FAO, avec la réélection du directeur général et aussi avec l'expérience propre de son pays, je crois que pour nous, c'est une occasion d'en profiter. Donc là, pour vous dire qu'avec l'occasion qui s'est aujourd'hui présentée lors de ma rencontre avec le directeur général, j'ai eu à exprimer largement mes souhaits et ma préoccupation de mon pays vis-à-vis de l'organisation, la FAO, parce que nous avons la chance d'être parmi les pays qui sont assistés par une représentation proche qui est la région de l'océan Indien. Et bien sûr, ça couvre beaucoup de pays de la région, mais aussi notre pays bénéficie énormément de cet appui. Et donc, nous arrivons facilement à élaborer des documents stratégiques qui puissent justement donner des éléments de réponse à notre préoccupation qui est la lutte contre la crise alimentaire. Donc nous avons beaucoup de projets qui ont été élaborés, bien sûr avec notre sollicitude. Et donc aujourd'hui, je suis certaine qu'avec la dynamique qui s'est installée aussi bien au niveau du siège qu'au niveau de la région, nous allons arriver à résoudre nos problèmes de sécurité alimentaire. Et donc pour vous dire que ma satisfaction est aussi grande parce que j'ai pu quand même avec cette rencontre soutirer des bénéfices, notamment celui de renforcer la représentation de mon pays auprès du bureau régional, par exemple, pour justement préparer l'avenir de mon pays à avoir une expertise à même d'assurer la suite de tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui.